Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 18ème épisode de notre Let's Play sur God of War 2 sur PS4. Salut et bienvenue, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes dans la chambre du Phénix, nous sommes arrivés après avoir livré un combat quelque peu énervant contre des ennemis situés non loin de là, et on nous a dit que si on parvenait à récupérer les cendres du Phénix, et concrètement en les sacrifiant au feu parce qu'elles sont juste ici, on devrait pouvoir obtenir une audience avec les Sœurs du Destin. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez également épiquer les failles avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, hashtag fail et fail. Plus, on vous a que les voir juste à la compile. Et je voudrais aussi voir quelque chose, parce qu'apparemment, j'ai loupé quelque chose d'intéressant dans les environs. Donc on va essayer de revenir en arrière pour récupérer tout ça, si c'est possible. Alors déjà, un œil de Gorgon. Est-ce que je peux aller plus loin? Je crois pas, hein, parce qu'en fait, j'ai loupé ce qu'on peut appeler un des Uber coffres du jeu. Vous savez, les coffres qui vous donnent un niveau de magie, d'expérience, tout ça. En fait, juste avant de prendre le passage où il y a ce que vous voyez à l'écran, vous avez un truc que vous pouvez détruire avec l'arc et il est là-dessus. Donc voilà, je vais pas prendre le risque, mais comme ça, vous le savez si vous cherchez ces fameux Uber coffres. En sachant qu'il y en a un autre dans les marais oubliés quand vous revenez dans l'antichambre du destin après avoir obtenu la toison. Voilà, ça c'est ce qu'on a loupé. Et pour éviter d'avoir à faire des demi-tours inutiles, on va sauvegarder cet œil. Et donc maintenant, on va s'atteler à l'obtention des cendres du phénix. Alors déjà, est-ce qu'on peut voler jusque là-bas? Oui, regardez-moi ça, il y a des orbes. Orbes. Et on peut pas aller plus loin. 1000 orbes de plus. 1000 orbes. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a ailleurs. Donc on a un levier. Bon, on va faire simple. Que fait le levier? Ok, le levier va amener ce qu'il nous faut. Ok, donc il va falloir. Ok, ça, le levier, c'est l'étape finale. On va partir dans ce couloir. Oh, bonjour messieurs, comment allez-vous? Alors les cerveaux, vous n'avez pas commencé à laguer, merci. J'ai envie de dire vivement God of War 3, parce que God of War 3, je peux le faire en version physique, il n'y aura pas les lags. Bonjour. Tiens, rendez l'éclair. Oh, nice les cons. Tiens, prends des éclairs. Saloperie radioactive. Allez, prends un tour bilol. Ah mais dis donc, espèce de pimpon des îles. Ah mais tu fais mal, cher monsieur. Prends un éclair. Allez, attends. QTE carré. Viens là que je t'empale. Tu me donnes des points de vie. Tu me donnes des points de rage, c'est bien aussi. Alors, ouh, quel est le fuck ici? Quel est le fuck? Il va falloir aller de l'autre côté, je suppose. Et je suppose qu'il va falloir faire vite. Attends. Demi-tour. Putain! Je savais qu'il fallait que je fasse demi-tour, je le savais! Non, mais ces trucs-là, là, c'est destructible. Je suis sûr que je peux les tataner. Attends. R1. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, dégage de là. On a le cristal de Boré. On va sortir. Ok, le cristal. Attends, Boré. C'est le mec du vent du nord dans l'autre salle de l'autre fois. Attends, faudrait peut-être. Attends, je vais revenir en arrière. Le levier là. Je vais essayer. La manivelle, je vais essayer de la tourner. Est-ce que ça fait quelque chose? Elle sert à quoi cette manivelle? Elle sert à quelque chose au moins? Attends, bon, attends, le mec est de nouveau dessus, donc faut que j'aille récupérer le cristal. Euh.
Rien de cristal. Je vais essayer de progresser. Genre si je peux simplement voler dans l'alcôve en fait, ça serait plus simple. Oui, cristal de borée, merci. Non. Et je vais mourir comme un pauvre. Bon. Comment on va gérer cette zone? Sans la manivelle doit servir à quelque chose. Probablement la manivelle doit servir à ouvrir la porte. Ça me paraît évident. Mais les machins là qui sont luisants, on doit pouvoir les taper, non? Les cristals dorés. Je vais revenir en arrière. Je vais essayer de les taper progressivement. Dès que j'entends que ça commence à s'accélérer un petit peu, je sais même pas si ça sert à quelque chose en fait ce que je vais faire. Non, reviens en arrière. Nice. Bon, au pire, je vais pas m'embêter. Je vais juste m'occuper du levier. Qu'est-ce que ça fait? Oh, vas-y, là! Allez, meurs, nourriture communiste! J'ai limite envie d'aller sauvegarder ça, histoire d'être tranquille, là. Non, comme ça, j'ai pas à le refaire, en fait. Du coup, je viens de découvrir la statue qui va probablement m'aider. Ça. Ah, j'ai dit les armes là-bas, oui, on les a récupérées. Ah, comment on va gérer ça? J'allais dire, j'aimerais pouvoir au moins récupérer le contenu d'un des coffres avant de faire demi-tour. Je vais faire les choses une par une parce que sinon j'ai pas fini. Je me demande s'il faut pas déplacer la statue. Doucement, tranquille, une chose à la fois. La déplacer. Non, on peut pas. Moi, je crois que dès qu'on interagit avec quelque chose, ça reprend. Donc, on reprend le cristal. Et limite, je vais retourner encore une fois sauvegarder. Comme ça, j'ai juste ça à faire. C'est plus de la sécurité qu'autre chose, des sauvegardes que je fais là. Rappelez-vous que vous seul êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données. Je ne le rappellerai jamais assez. Puis bon, quitte à sauvegarder 3 fois en 10 minutes, c'est bien, comme ça on est sûr que tout est bon. Ça là, j'ai juste à passer de l'autre côté, parce que j'ai le cristal, j'ai les orbes, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout qu'est-ce qu'il faut. Là, je dois pouvoir passer. Non, putain. Bon, au moins, voilà. Au moins, la sauvegarde, elle aura servi à quelque chose. Elle aura servi à quelque chose. Non, parce que bon, v'là le truc, quoi. Et je pense que j'irai comme je fais, ça, c'est ce qu'il faut pour passer. Genre, hop, on a un premier truc comme ça. On fait genre un demi-tour, puis après on le réutilise. Parce que dès qu'on commence à interagir... Ça. Voilà, là je suis passé. Alors qu'est-ce qui nous attend par ici? Déjà, je vois plein de norbes. Et on va les avoir, les norbes. Ou pas. Pourquoi les orbes sont toujours derrière les trucs auxquels on peut pas accéder, bande de doudes? En plus, là, les orbes, j'en aurais bien besoin. C'est cool, les orbes. Et les orbes, c'est la vie. Alors, quel est le fuck?
Oh, de la recharge. Oh, je sens qu'on va affronter quelque chose là. Eh ben, prenons les recharges. Parce que ça sent la baston. Je dirais même ça sent la grosse baston. Il y a un truc à grappiniser. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Du feu. Ok, après il va falloir qu'on prenne... Attends, un levier. On va activer le levier. Qu'est-ce que ça fait? Ok, je pense qu'il faut qu'on s'abrite dans les espèces d'alcôves là-bas. Allez, vite, 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 vite. Mais il y a... Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose sans se faire carboniser ici? Parce qu'il est beaucoup... Attends, je suis bête. Non, attends, ça passe au moins ça? Je vais essayer. Non. Ça ne passe pas. Alors, il est mort, mais il est comme ça. Alors que sinon, je peux essayer de grappiniser le point qui est tout en haut de la salle, mais je suis pas convaincu. Il faudrait probablement arrêter le feu avant de faire quoi que ce soit. Attends, cette fois-ci, c'est tout là. Ok, ça ouvre cette porte et ça. Ok. Mais ça reste pas en place. Je répète, ça ne reste pas en place. Putain, ça reste pas en place, hein. Attends. Mais alors c'est quoi le fuck de cette salle? Faut faire des trucs, j'ai vu ce que faisaient les boutons, j'ai vu les portes, mais il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas une... Non, il n'y a pas, hein. Il n'y a pas. Ah non, ça reste pas en plus. Eh non, y a pas assez de temps, y a pas assez de temps, putain. Y a pas assez de temps pour faire quoi que ce soit. Y a pas assez de temps, il faut 10 ans pour activer un levier. Bon vas-y, je vais me laisser mourir, je comprends pas là. Je comprends pas. Je peux rien faire, j'ai pas le temps. Ok, alors apparemment il y a des trucs que j'avais pourvu. Bon, alors déjà, on va aller récupérer les norbes. Apparemment il y a un rebord où je peux m'agripper quelque part. Par où? Il y a un rebord où je dois pouvoir m'agripper quelque part là pour récupérer les coffres à orbes. Verarze. Attends, par là? Ah, là. Voilà, de là, je peux faire ça. Et hop. À moi les petits coffres. Orb. Œil. Et... Orb. 9000, je peux améliorer quelque chose d'utile. 13500. 15000, voilà, bon, les trucs qui m'intéressent. Voilà, dans les trucs qui m'intéressent. Sinon, je pourrais faire le truc de Royal, mais... bon, bon, les couilles, frère. Bon, alors en fait, ce que j'avais loupé, ce que j'avais loupé run, c'était à ce niveau-là, voilà, au niveau du cercle-là. En fait... Bah, déjà, on peut tâtonner cette statue-là. Et en fait, cette statue-là, on peut la déplacer. Elle va nous servir de protection dans la salle. Si on se met derrière, elle va absorber les flammes pour nous. Et du coup je peux récupérer les trucs en mode tranquillou poète poète. Ah c'est que maintenant il y a des ennemis. Bah amenez-vous.
Ah, vous allez prendre un jeu. Ah merde! Non! Hop, 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 hop! Voilà, là je prends les dégâts. Non, bouge, 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 bouge! Bon. Voilà, vous êtes venus là où je voulais vous amener les dudes. Allez, viens là, quelques-uns qui prennent un peu dans la tour. Je me suis pris les dégâts en plein milieu, mais je suis en mode, je m'en bats les couilles. Voilà. Prenez-vous des nez clairs. C'est bon? C'est quand même mieux qu'une protection. Hein. Ça, voilà, je vais mettre là comme ça. Je vais la mettre près de la porte pour pouvoir l'ouvrir tranquille ou poète poète. Oh putain! Voilà, tour Bilol. Pas vraiment le coin le plus safe pour se battre, mais bon. Oh putain, je déteste ces ennemis de merde. Vas-y, arrête-toi. Hop. Magie, la merde. Ah, me mets pas dans le feu, fils de flûte. Ah, mais lâchez-moi, t'as de con. Et là, je vais pouvoir le tataner, lui. Hop. Voilà. Allez, bien plus de faire en papa outé. Là, je pourrais les coffres tranquillou. Ok, qu'est-ce qu'on a ici donc? Orb. Et plume. Vous allez me lâcher, tas de poulet. Mais il y en a encore beaucoup ou quoi? Mais allez, crevez tous là! Comme ça. Ah, fils de flûte. Voilà, je vais juste tirer sur ce levier. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a rien fait. Ça.
Ah, mes bandes de fils de pute! Quoi? Oh putain, allez tous vous faire foutre là! Voilà! Faites-moi vos marionnettes, bande de belets! Voilà, comme ça on esquive bien tout ce petit monde. Voilà, hein, j'aurais pas. C'est probablement. J'ai loupé plein de trucs en faisant ça, voilà. Les cendres sont en place. Avant de faire quoi que ce soit, je vais sauvegarder. Bah, c'est bon, d'accord. Ok, bah, c'est bon. Allez. Tourbilol pour tous! Ah, c'est pour un séisme. Merde. Attends. Je vais passer pour la... Attends. Mais fais un putain de tour qui lol. Je disais bien que les squelettes là allaient revenir. Bouge. Là. Cercle, boum. Et on tourne. Point de vie, point de magie, c'est bien. Un peu des deux. Merci l'ami. Voilà. On t'attaque le squelette. On t'attaque le squelette. Ah, il y en a d'autres. Ok. Toi, tu peux prendre un cul. Toi, tu peux prendre un cul. Non, c'est l'autre. D'accord. Mais. Cercle. Allez, on tourne. Il va juste qu'il y a rien qui va recopier après, si j'ai pas franchement envie de m'en... Ça a l'air bon. Là, un, deux, trois. Ouais, dis donc. Ok, tu veux la jouer comme ça? Pas de problème. Voilà, fais-moi ta marionnette maintenant. Ah merde, merde. Je me suis gouré. Carré. 3. Voilà. Ah, mais pourquoi vous avez changé les QTE au dernier moment aussi, t'as doublé. C'est bon, c'est fini. Cool. Bon, bah vous m'en voudrez pas d'aller sauvegarder tout ce bordel. On sait jamais que je fasse un fail genre juste après. Cause sécurité, hein, sécurité sur 20, tout ça. Excellent. Bon, bah, je crois qu'il est maintenant temps d'offrir les cendres du sang et du phénix en sacrifice. Observons. Vous savez quoi? Le temps que ça se fasse, moi, je vous dis à votre santé. Oula, qu'est-ce qui se passe? Va se passer. Qu'est pas ça? C'est le phénix! Oh, carrément une espèce de... Ah ouais, comme ça on revient effectivement dans cette zone. Et il y a le phénix qui est là. Et du coup, ouais, et du coup on peut mettre le cristal de Borée sur la statue de Borée et on peut continuer. On a fait toutes les étapes là. Mais par contre, ça va tout détruire là, les gars. Il va peut-être falloir qu'on se bouge l'arrière-train. Ah, d'accord, maintenant il y a des courants ascendants. Et ben, allez. Prenons les courants ascendants, mesdames et messieurs. Alors, je dois avouer qu'avec les coupures, je ne saurais pas dire à combien des coups on a peut-être coupé 5 ou 6 minutes. Donc, on va dire prochain point de sauvegarde, on s'arrête. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, faut qu'on surveille où on en est au niveau des ors, parce qu'on a bien besoin de... En gros, moi, il y a deux upgrades que je voudrais faire avant de finir le let's play, c'est les lames et chrono safran. Le reste, si je monte pas, je m'en fous.
Bon, après, si je trouve de quoi monter, je le fais, bien sûr. Mais sinon, pas l'extrait. J'ai pas mouru, là. Oh, regardez-moi ça. Qu'y a-t-il ? Une plume de phénix. Ok, donc on va juste voir s'il y a autre chose. Là, regardez-moi ça, il y a plein de norbes. Orb. 11430 et il en faut combien? 13500. Okay. Bah, activons le levier. Ah bah c'est un ascenseur, hein. Salut les gars. Ah, et maintenant on met le cristal de boré ici. Vous avez dévoilé la porte avec le cristal de boré. Et boré, c'est marqué Boreas en lettres grecques là. Boreas, c'est un nom qui doit théoriquement vous dire quelque chose. Si vous connaissez une certaine licence avec des monstres qui tiennent dans une poche. Eh, je peux enfin accéder à ce coffre-là. Et ça contient un œil de Gorgone. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, on chope la chaîne, c'est pas mal. Du coup, on va activer la Vuvuzela. Ah, puis je vois un point de sauvegarde. Attends, on a accès à la Vuvuzela ici. Hein. Il y a une part... Attends. Il y a une partie de moi qui a envie de la jouer safe et de sauvegarde. Vous savez quoi? Je vais garder la Vuvuzela pour la prochaine fois. Je reprends les coffres pour me remettre à fond. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et je vais sauvegarder. Et je vous propose d'arrêter cet épisode ici. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de God of War 2. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. C'est pas non plus à laisser un commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous savez, si le cœur vous dit tout ça, vous le savez, la cloche pointe, ça fait plaisir. Les moments épiques avec les failles avec les hashtags, parce que vous connaissez la musique, mais en attendant, la suite de notre exploration du palais des moires où on va enfin utiliser la Vuvuzela, alors c'est une corde, mais j'aime bien l'appeler Vuvuzela, et peut-être nous rapprocher encore un peu plus des sœurs du destin. Bah, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.